Bonjour à tous et à toutes. La suite des aventures de Dark Souls 2. Enfin, de mes aventures sur Dark Souls 2. En tant que spectateur, je tiens à signaler que sa pause a duré 4 secondes. Donc soyez indulgents. Justement, je suis chaud. Et merde. Quand tu sais que tu te fais par oral. C'est quoi, le... Et merde ? Non, d'être chaud. Bah, sachant que là, je suis. Les dernières morts, c'est par piétinement et non pas par enflammement. Je pense que c'est pas juste une question de vocabulaire pauvre. Je pense que c'est une question de vocabulaire approprié. Ok, alors ceci était un test pour voir à quelle vitesse ça me soignait. Ce n'est pas un fake. Tiens, lire. Pour toutes les mauvaises langues. Voilà. Un peu d'efficacité. Toi là-bas qui fume, viens te battre. Merci. Passe d'un instant. Oh, merde. Il fait mal le con. Merde. Mauvaise objet de soin. Et voilà, magnifique combo. Bon bah, il reste que les gros. Wada. Et voilà, c'est bon. Oh tiens, un objet. L'épée du dragon noir. Ah bah tiens, bon. Quoi est-ce que tu ressembles? Alors, épée du dragon noir. C'est pas l'envoyeur. Épée du dragon noir. Ouf. Même pas. Est-ce que je vais en mettre en humain pour ça? Si, il faut que j'invoque mon grade, donc je vais en mettre en humain. Et puis changer mon équipe aussi. Tu prends une bénédiction divine? Ça c'est vraiment l'ultimatum. D'habitude j'utilise plus par erreur que par nécessité. J'ai pas invoqué mon grave. Tant pis. Alors, il s'envole. Cours par là. J'ai l'impression d'être Sonic. Ok, donc on se remet bien. On fait des coups, on esquive.
On fait un coup. Et on attend. Ok, là-bas. Ok. Voilà. Allez. Merde! C'est bon, Zos. Nuage de poussière quand même. Voilà. Bon, ça va peut-être le faire. Bon, je prends plus de risques maintenant. Hein. C'est de l'attrition entre ce dragon et moi. Ah ! Et bah dans ces cas-là, on prend une potion divine. Hey, non, c'est hyper long à revenir. C'est trop long à revenir, c'est trop long à revenir, c'est trop long à revenir, c'est trop long à revenir. Non ! Oui, c'est bien. Un petit reflet, ouais, voilà. Venu aux Utopiales, c'est cool, on trouve des trucs sympas. Bon, salut, chevalier. Bon, plus faut que je fasse vite. Parce que après, faut que je laisse quand même mon très cher hôte s'occuper de ses propres tournages. Ouais, non. Demain. Bon, j'ai pas vu de la journée. Non, c'est d'un bon là. Là, c'est un peu bizarre. Hop. Voilà. Parfait. Donne-moi ton objet. Parfait. Toi, là-bas. Quoi, tu l'as ? J'avais oublié. Un ADN, un jeu de pomme, un jeu de pomme. Non, non. Pas de BN. Pas de jus de pomme. Du sang. Non, merci. À la rigueur de l'eau. J'en ai plus. Bon, tant pis. Non, je sais pas, un élan de bonté. C'est vrai qu'au pire je peux faire une pause et relancer tout ça après. Ouais, après tu te fais pas forcément des sessions de 3h, 4h défilées. Bon, la bouteille d'eau est pleine. Bah, moi ça se vide en 1h30, tu sais, la bouteille d'eau. C'est vrai que le hockey pour toi c'est assez rédhibitoire. C'est quoi cette merde? D'où il me manque de respect, c'est quand même. C'est clairement pas assez rapide. Bon, toi là-bas, je vais mourir. Oh. C'est tellement injuste.
pas, mais... Croyez-moi, j'ai peur. Non. Quelle raison d'avoir peur? Est-ce que tu fais 3m10, t'es en métal, mais... Tu fais de la merde. Hein? Si je fais 3m10 et que je suis en métal, je suis en métal. Moi j'aurais pas travaillé aussi. Bastien. Allez. J'ai bien réussi ce connard de garde au clocher là. Pas de garde au clocher, garde la cloche. Machin du roi. Pas des paltringues. Qui vont me faire chier, putain de merde. Si, ils vont me faire chier. Jusqu'au bout de la vie. Des mondes minés. Qu'un sommier. C'est dégueulasse, la papier. Alors. Il ne sert à rien, mais par principe. Il nous a perdu, puis il a dépensé. Lesquels? 40 000. Ah. Je les ai dépensés. Et j'en ai perdu 60 000, je pense. Sans compter celles que j'ai laissées là-haut tout à l'heure. Donc en tout, j'ai dû perdre, ouais, dans les 200 000 âmes, je pense. Aujourd'hui. C'est un problème récurrent. Ah. On voit ça. Nickel. Tiens, je suis jazz, c'est un peu chier. C'est quand comme ça. Toi tu viens. Tu meurs le plus rapidement possible. Parce que toi, tu es très gentil. Il a 5 pros. Je peux venir. Et merde. Ça va quoi cette roulade? Bon. J'aime pas trop beaucoup ça. Allez, hop. Pourquoi me dire pourquoi tu t'es acharné contre ce pauvre mur qui ne t'avait visiblement rien fait. Voilà. Je dépense à tout là. Oui, c'est bon. J'ai essayé de faire la même connerie deux fois d'affilée. Ça va le troll, hein. J'en ai pas besoin en ce moment. Voilà, alors je suis rentré bien avant mon Graal, mais comme ça j'ai l'espoir qu'il ne se prenne pas la première attaque de feu en fait. Et ça a l'air d'avoir marché, et merde. Aïe aïe aïe.
Non! Ah, je suis désolé, non! Oh, ce jeu qui est injuste, par moment, ça m'énerve. Même au replay, ça se voit que j'étais pas dessus. Enfin, que j'ai roulé, que je me suis levé, qu'il a posé son pied par terre, que je suis debout, je suis mort en dessous. De son pied, qui se posait. J'étais à 1m50. Ce jeu me dit pourquoi il m'en veut autant. Bon. Mon positif, c'est que maintenant je vais commencer à avoir des gardes en moins sur le chemin. Voilà. Ça faut pas du tout que je l'aie. Faut prendre de ça. Non. Ils sont encore là les deux couillons. Allez viens, Pépito. Pépi pépi. Tu les pas tous les deux en même temps. Allez. Voilà, ça c'est de la bonne IA. Il y a qui subit. C'est bien. Coucou les couillons. Alors, aujourd'hui, bien de droite en premier. Joli. Bon, j'ai plus les dégâts. Je vais cramer ça. Allez. Ah, il y a des prostrates quand même, hein, de la part de cet ennemi. Si possible tous ces tués, je prends le temps d'annuler leur technique. On a beaucoup pensé à l'armure oui de Skyrim. Ah, je pense pas du tout à celle-là. Vraiment de Dédra. Dédicace aux armures des draps de Skyrim, sur en Galidon. Moi je pensais simplement à une petite évolution. Enfin, je trouve ça drôle que les protecteurs de dragons ressemblent aux chasseurs de dragons en fait. What? Quoi? Alors qu'il était stun, j'ai un coup qu'il a littéralement rien fait. Ce jeu a beaucoup trop de problèmes de cet ordre. Bizarrement, c'est toujours quand je suis fatigué que je les vois. Bon, bah tu vas souffrir en grave, je suis désolé, mais. J'ai pas réfléchi. Allez, prends-toi l'aggro et meurs pour moi. Je peux aussi te rendre utile avant de mourir, ce serait cool. C'est un peu le cheval dans la mer. Alors j'ai pas bien compris. C'est un peu le même de sel qui charge dans la mer. Ah. D'accord. I'm firing my laser. T'es là, le chouk da whoop.
passe la porte. Ouais. Ok, c'est là. Une excellente question. Mais j'ai peur en fait que la queue one shot en fait. Alors, tiens, il semble que. Oui, cette partie-là a l'air plus sensible. C'est drôle. On va s'arrêter là-dessus. Parce que je suis désolé, mais si le fait qu'il pose son cul par terre qui est à 5 mètres, sa queue qui est déjà au sol me tue, parce que voilà, c'est drôle. C'est, si je veux regarder un film indien, je regarde un film indien, je joue pas la soule. Ah, comment ça te prend sur Dalubaï ? Allez. Bonne journée à tous. Moi, je vais me détendre en tuant les chatons.